Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous pouvez m'appeler Tribal. Et bienvenue dans l'épisode 56 sur Assassin's Creed Odyssey. Et on devait aller retourner voir Kira. Je sais pas pourquoi, mais on va quand même aller la voir. Oh, on peut aller se faire ça aussi. Ah, je suis désolé, non, mais faut que j'aille voir Artemis, quoi. J'arrive, hein. C'est qui, lui? Où are you? Ok, je m'en fiche, je te connais pas. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens maintenant, puisqu'on avait, on les avait aidés pendant un fight. Et le mec, il est là? Campement militaire. Oh. Ah, je pourrais limite aller le buter. Artemis des terres sauvages. Maîtresse des animaux. Elle est pas finie la statue, mais bref, c'est pas grave, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Elle avait pas envie de monter, quoi. Bonjour. Ah, c'est carrément sur la pointe. Tire pas, hein. Ah non, le ciel qui se... Mais je voulais juste le buter. Bah oui, mais non. Bah oui, mais j'ai le droit de me... Bonjour, je m'offusque. Non. Une chair. Ah, il y avait un coffre, je m'en fiche. Est-ce que j'ai envie de m'enquiquiner plus que ça? Non. La réponse est non. Donc on va aller rendre la quête aux espèces de rebelles. En plus, c'est un Athénien. Bonjour. Non mais zut, c'était où leur truc de rocher là? Hein? C'est plus par là? Ah ouais. Ok. My bad. Je vais ça plus au niveau de... merde, du temple. Eh, 49, c'est pas mal, hein. Mais faut trouver l'espèce de tablette. Icaros indisponible. Oh.
Bon, il est où le truc là? Quoi? T'as pas envie de trouver la tablette là, énigme là? Arrête! Arrête! Mais impossible de le trouver! La game d'avant c'était pareil. Salut! Combien de temps avant que Von Arkhen trouve cette grotte? Nous sommes juste sous son nez! Oui, mais c'est là-haut, c'est que de la pierre, de la caillasse. Et voilà, super, je m'en fiche de la caillasse. Introuvable. Bilu, bilu, bilu. Salut. Ah ah! Pas du tout. Ah bah là voilà. Yes! Morale veinée. Grèce, Mykonos. Cherche la carrière de marbre de la pointe de la taverne. On s'est débarrassé de moi dans une fosse abritant les corps de nombreux esclaves épuisés. Voilà, ça, ça m'intéresse. Ah non, pas les lire. Hein. Ah non, 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 pas les notes de musique là. Non, merci. C'est bon. Salut. Du poisson frais sur un macabée. Voilà une drôle de façon de maintenir le poisson frais. Hello. Nous savons où il habite. Moi, je dis qu'il faut défoncer sa porte et lui transpercer le visage avec nos lances. Tu appelles ça un plan? Rien ne résiste à l'assaut d'une phalange spartiate. 12 hommes ne font pas une phalange. Tu penses avec ton cœur, c'est ce que j'aime chez toi. Mais tu es désormais leur commandant. Tu dois penser avec ta tête. Vous ne faites que vous cacher dans des grottes ou dans l'ombre. Nous ne sommes pas venus pour nous cacher, mais pour nous battre. Et nous le ferons. Mais le nombre est en faveur de l'ennemi. Alors pensons aux tacticiens. Cassandra, d'après toi, que faut-il faire? Quoi? Tactique. Kira a raison. Se lancer tête baissée serait du suicide. Venir ici était du suicide. Pour l'instant, mes hommes sont sur la grève. Et je vais les rejoindre. Thaletas, non! Si tu tiens vraiment à mener cette rébellion à la victoire, rejoins-moi. Ah, oh, les Spartiates. Ne fais pas attention. Il ira mieux après avoir frappé quelque chose. Mais je suis heureuse que tu sois de mon avis, Cassandra. Retrouve-moi au temple d'Artémis. Nous discuterons du meilleur moyen d'abattre Podarkes. Oh, cette rébellion promet d'être longue. Mais t'es sûr que tu veux pas que j'y aille? Non, parce que moi, je peux peut-être m'introduire... Ou du moins essayer de m'introduire... Voilà. Non? Non mais n'importe quoi, l'échelle est juste là, ouvre tes yeux. Aveugleman. Mais zut. Mais elle est où la sortie? Au secours. Oh. Oh. Mais ça aurait été quoi? Ça aurait été un affrontement, tout ça, tout ça?
En vrai, si je peux m'introduire tranquillou bilou, lui mettre une petite lame à travers la gorge et repartir tranquillou bilou. Moi, je dirais pas très très non. Est-ce que je peux avoir les tenants et les aboutissants, s'il vous plaît? Qu'est-ce que... Ah, mauvais... c'est les mauvais boutons. Nice. La tactique, c'est que j'y aille tout seul, non? Salut. Cassandra, contente de te voir. Et moi, que tu ne me lances pas de couteau. Je sais, je sais. Tu as fait un long chemin et j'ai été cruelle envers toi. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Les gens de Delos sont paisibles. Enfin, l'étaient. Avant lui. Podarkes. Oh bah c'est juste en face. Cet homme m'a traqué toute ma vie. Podarkes et beaucoup d'autres veulent ma mort et celle de ma famille. Il a fait exécuter mes proches quand j'étais toute petite. J'ai vécu dans la rue, élevée par des chasseurs, des guerriers et des mercenaires comme toi. Ils sont ma famille, désormais. Et un jour, je transpercerai son cœur noir. Une flèche pour chaque famille de Delos qu'il a anéantie. Alors il est temps de transformer le prédateur en proie. Comment allons-nous faire avec ces gardes? Un soldat a besoin de deux choses pour se battre. Une épée en main et le ventre plein. Sans tout cela, ses défenses tomberont. D'après nos éclaireurs, les stocks de vivres et d'armes de Podarkes sont dans les vieilles ruines de l'île de Delos. Et ben voilà! Je vais aller à Delos, trouver ces stocks et les détruire. Ok, let's go! Ouais? Oh, mais j'ai pas encore tes 15 000, bordel! Parlez Hippocrate, ouais, plus tard. Ok. Par là, du coup. Ville, les ruines, donc ça doit être là, je présume. En vrai, je sais pas trop. On va essayer par là, tiens. Oui, parce que là... On est d'accord que je suis en face. Voilà, je suis en face, ouais, donc forcément c'est à côté. Fartement. Ou pas du tout. Ou en fait c'est juste en face. Voilà. Voilà. En fait c'est. Voilà. Alors, en fait c'est là. Voilà, merci. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais quand même aller le découvrir parce que je suis quand même curieux. Bon, c'était pas un pont, mais c'était tout proche. Je vais m'occuper de toi, Podarkes.
Voilà, c'est bon. Allez. Il y a des ruines, ça ressemble énormément à Assassin's Creed Origins. Ok, donc il y a le porc qui est là. Non mais on va l'enlever du coup, c'est bon, j'ai vu ce que c'était, merci, au revoir. Le fait de pouvoir sauter sans se casser la gueule et sans se niquer la cheville, ça, je crois que c'est l'une des meilleures améliorations que tu peux trouver dans Assassin's Creed. Alright. It's found out. Il y a du people. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Je sais même pas ce que c'est. Ah, mais j'y suis déjà allé, en plus, le tombeau de blablabla, là. Je trouve des trucs. Voilà, j'ai trouvé des trucs. Qui sont plus là, parce que bah, je les ai déjà pris. Oh, God. Go home, you drunk. Alors. Hop. Ah là, max. Là, là on va faire des dégâts là. Là on va faire bobo là. La queue true assassine. Les ruines de Quintus. C'est là que je vais. C'est là où j'aurais dû sauvegarder. Voilà. Si. Les armes et les vivres de Podarkes. Quoi? Pardon. Ta fin est là. Pourquoi? Le mec était à moitié en train de dormir. S'il te plaît, quoi. Le jeu. Y a plus de respect. Y a plus de respect. C'est du grand n'importe quoi. C'est du. Voilà. Je pense que les développeurs se sont dit ça quand ils ont développé le jeu, je pense. Je pense que je dois pas être très très loin de la vérité, en vrai. Et les mecs qui les dirigeaient, c'était la mode. Argent! Là, c'est ça. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Que ton jeu c'est de la merde? Oui. Non, parce que là j'ai aucun doute, hein. Mec, il est en train de dormir. Et je me fais choper, quoi. Non mais sans déconner, y a pas un putain de mec qui s'est dit... Alors là, je comprends pas, là. Y en a pas un seul qui s'est dit ça? Sérieux?
Heureusement que je me change en pleine bataille, hein. Ah merde. Une caisse. Je dois les détruire sans attirer l'attention. T'inquiète, hein. Tu vas y arriver. Ils sont tous morts. Parce que même ceux qui dorment, ils sont OP. T'inquiète. Ah bah tu prends quand même feu parce qu'il faut pas déconner. Du coup, je peux le mettre en feu avec mon propre corps. Pouah ! Ah là là. Et... Au sein du lieu de naissance d'Apollon, cherche le temple des gens de Délos. Il faut que j'aille l'annoncer à Kira. Derrière une statue de bronze, un passage secret mène à une tombe souterraine. Tu trouveras dans un tas de pommes gardées par des serpents. Ça rigole. Hop! D'accord, et ça c'est quoi du coup? Ah, je le vois pas sur la carte, sérieux? Légende. Jean, blablabla. Non, je vois pas. Et je fais comment? Je dois mettre le feu? Je fais quoi? Je dois bien avouer que je sais plus. Mais comment je... Ah, sincèrement, je sais pas. Parce que c'est, je m'en souviens avoir vu ça, mais alors, il y a super longtemps, quoi. Mais je fais comment? Faut que je mette le feu? Aïe, 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 aïe. Wow, 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 wow. Ouais. Un petit chou frais. Quoi? Ah si, c'est bon, ça a été détruit avec le feu. Ah oui, quand même. C'est faux. Ok. M pour meurtre. Tuer pour l'Arkès, réduisez la puissance nationale de Délos pour affaiblir la garde. Alors ça, j'ai très très bien compris, mais du coup... La méthode socratique, va te faire foutre, toi. Socrate, va bien te faire foutre. Cassandra, te revoilà. Alors, c'est fait? À compter d'aujourd'hui, les gardes de Podarkès devront se battre à main nue et le ventre vide. Excellent. Alors, que comptes-tu faire quand Podarkès sera mort et que la rébellion aura gagné?
C'est triste, mais je n'en ai aucune idée. Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours battue. Alors vivre, rire, la vengeance a consumé tout ça. Et que fera Cassandra quand tout sera fini? Accomplir sa destinée, il y a toujours du travail. Passer du temps avec toi. Oh! Nous avons beaucoup en commun. J'aimerais me trouver un endroit tranquille quand le calme sera revenu. Ah, et qu'avons-nous en commun exactement? Je sais que tu as dû lutter pour en arriver où tu es. Tu as dû te battre pour tout. Tout le temps. Je sais. Parce que j'ai dû en faire autant. Nous sommes des survivantes. Je suis heureuse que les dieux t'aient conduite ici, Cassandra. J'aimerais passer du temps avec toi. Connaître ta vie. Nous devrions partir. Quand Podarkes apprendra ce qui s'est passé sur Delos, il voudra se venger. Non. Et les premiers à souffrir seront les habitants. Non. Guéret. Mais non. Mais Cassandra, mais pourquoi tu dis ça? Mais t'es conne ou quoi? Moi j'ai envie d'aller le buter, mec. Nine. Non. Faut tuer. Ça fait partie... En plus, il fait... Ah. En plus, il fait partie de... Voilà. M pour meurtre. Voilà, fle. Affaibli, il est pas vraiment affaibli, hein. Si tu veux mon avis, ça pourrait être un peu mieux quand même. Parce que là, à mon avis, si on se rapproche un petit peu, à mon avis, ça doit un petit peu douiller quand même, hein. M pour meurtre. Ah merde, je pensais qu'elle allait s'accrocher. Qu'est-ce? Tu fais pas. Tu... Hein? Ah, t'étais sur le pot! Je dois rester caché. Eh ben voilà! Après 15 milliards d'inputs, c'est bon, t'as enfin compris par où. Où est-ce que je voulais en venir? La rouilla! T'es qui toi? Putain, il avait l'air. T'avais l'air pressé, qu'est-ce qui se passe? T'avais envie de pisser ou quoi? Ah mais il est là lui. Ah oh, le people. On va peut-être on va peut-être devoir un petit peu. On va peut-être devoir du coup nettoyer un petit peu tout ça si vous voulez mon avis. Hey, ça c'est cool par contre. Putain. Hein? Et rip. Eh bien rip le chien. Je ne suis absolument pas suspect. Je regarde mes golas. Ah, j'ai flippé, je me dis ça y est, le jeu il est encore bugué. C'est cool. Alors, en vrai, comment je pourrais passer? Je pourrais aller le voir, lui, le zigouiller. Harceler, carrément. Lui, on s'en fiche. Après, on monte. La corde à linge. Du coup, on récupérera forcément ça. Après, on vient buter lui. On bute lui et c'est fini. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? On pourrait se faire ça dans le prochain épisode. Moi, ça me tente. Qu'est-ce que vous en dites là? Anyway, moi je vais arrêter là. Prochaine fois, je pense qu'on fera ça parce que ça m'a l'air d'être assez
facile. Après, je vais encore rageux, je me connais, hein, voilà. Ça faisait en avait l'habitude. Anyway, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci, comme d'habitude, toujours pour savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne louper de nos aventures. En attendant, je fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.